j'ai commencé par le graffiti. Donc en fait, le graffiti, ça m'a tendu vers d'autres mondes, d'autres horizons. Il y a des événements comme ça où on peut appeler ça une jam parce que c'est plusieurs gens qui se connaissent pas forcément. C'est organisé par quelqu'un qui invite plusieurs personnes de différents réseaux et qui viennent et voilà quoi. Puis on peut voir un peu les boulots des gens et un peu voir comment ils travaillent en live quoi. Généralement sur les jams, on revoit les gens qu'il y avait avant et on s'apprécie. Et quand on peut, on essaye de s'appeler, ouais, on y va, est-ce que vous venez, tout ça. Donc ouais, c'est clair que ça crée des rencontres, quoi, c'est super enrichissant. Et généralement, c'est quand il fait beau. Et c'est où on peut, quoi. Donc des fois, c'est officiel, des fois, c'est non officiel. Des fois, il y a la police qui vient, comme tout à l'heure, il y a la police qui est venue, je sais pas pourquoi. Des fois, ils viennent pas, des fois, c'est à l'aise, des fois, c'est tendu. C'est vrai que c'est l'occasion aussi de voir des techniques différentes. Moi, je fais du pochoir. La plupart des gens, ils dessinent directement sur le mur, ils font du lettrage ou du personnage. Au fur et à mesure de comment on recule, comment on place sa bombe, ça donne plus ou moins l'intensité à la couleur. Enfin, il y a plein de techniques en fait, il y a plein de trucs, c'est au niveau des caps aussi. Ouais, il y a des caps, différents caps quoi, et ça change suivant si tu utilises comme bombe, enfin comme marque de bombe en fait. T'as des caps pour faire des gros traits, des petits traits. Voilà, c'est les embouts. Et ça se bouge tout le temps, c'est un peu chiant. Plus loin, il y en a un qui utilise le pinceau. On s'en sait que c'est intéressant aussi de rencontrer des gens, tu vois, les différentes techniques utilisées. C'est plutôt enrichissant. Je suis imprégné de culture urbaine, mais je connais aussi mes classiques. J'ai bien aimé partir de l'affiche de Mezzo Forte parce que il y avait déjà l'usure du temps, du mur, l'enduit qui se détruit, etc. Et puis une seconde intervention avec l'affiche. Et puis moi encore travailler par au-dessus, j'aime bien ça. Toutes les perspectives du graffiti dans tous ces domaines, qui n'est pas simplement que du vandalisme, ça peut être quelque part quelque chose d'art, qui est aussi une espèce de communion comme ici dans des jams, ça peut autant être dans les galeries que dans la rue, que dans un terrain vague, que dans un métro. En tout cas pour des trucs comme ça, il n'y a pas moyen de faire des planifications, quoi. Ça prendrait trop de temps quoi, et c'est parce qu'on est chaotique, c'est pour ça que... toujours un kiff, il y a un truc communautaire quoi. De toute façon quoi, tu vois, même si on pousse un peu peut-être l'orgueil ou je sais pas quoi, du genre ouais c'est moi le plus fort et tout ça, c'est moi qui vais le déchirer, y a toujours une communauté quoi, tu vois, on fait tous la même chose, on fait tous de la peinture, on se fait tous plaisir, donc le but c'est ça quoi. Enfin, ton but c'est de déchirer ton mur et c'est pas de faire mieux que ton voisin, c'est de faire un truc qui avec ton voisin ça va péter. Tu vois, à la limite, c'est pas de faire un truc tout seul, quoi, c'est de faire un truc avec tout le monde, quoi.
Et si le truc avec tout le monde il déchire, quoi, tu vas avoir une belle photo parce que t'auras pas juste ta pièce, t'auras tout un mur, il y aura une putain d'unité, il y aura les mêmes couleurs.